Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Nebout et Âme. On est super content aujourd'hui puisqu'on est dans les locaux de Yamaha Music pour vous présenter en exclusivité la nouvelle série Yamaha CSP. Qu'est-ce que c'est qu'un CSP ? C'est un Clavinova Smart Pianist. Pour faire simple, vous voyez ces vidéos sur YouTube où vous avez des notes qui défilent au-dessus d'un clavier de piano sur lesquelles vous devrez jouer ensuite. Eh bien, Yamaha a intégré cette technologie sur ces pianos. C'est très simple, ils ont ajouté au-dessus du clavier une barre de guide lumineux à LED. Les notes défilent sur 4 étages de LED et au moment où il vous faut la jouer, eh bien, vous appuyez dessus. L'intérêt, eh bien, il est simple, ça va vous permettre d'apprendre le piano tout seul chez vous. Et puis surtout, si vous ne savez pas lire les partitions, c'est hyper utile. Donc j'accède directement à la fonction d'apprentissage dans la rubrique morceaux et là, je tombe sur la marche turque. J'active la fonction guide. Je choisis directement de ne jouer que la main gauche de l'instrument pendant que le piano va m'attendre en jouant la main droite. C'est parti! Et donc maintenant, on va recommencer le morceau et cette fois-ci, je vais devoir en jouer la main droite. C'est parti! Vous voyez, ce qui est sympathique ici, c'est que les touches blanches s'affichent en rouge sur le panneau lumineux et les touches noires en bleu. Le piano comprend plus de 400 morceaux, 50 morceaux de musique populaire, 50 morceaux de musique classique et enfin 300 leçons parmi les plus grands recueils d'apprentissage et d'études techniques, le Czerny, le Beyer, le Hannon, par exemple. Je vais tout de suite vous en faire une démonstration. Je choisis le fameux livre du Hannon. Premier exercice. Et une fois de plus, je demande au piano de m'attendre via la fonction guide. Si au contraire, vous maîtrisez déjà le piano, le CSP, c'est un super partenaire de création musicale pour vous. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en plus de ses fonctions d'apprentissage, il propose des fonctions d'accompagnement. En effet, il vous donne la possibilité de jouer en groupe, entre guillemets, puisqu'il propose 500 styles d'accompagnement, c'est-à-dire des rythmes, une basse qui vous accompagne, éventuellement des chœurs, toute une orchestration, et ce, eh bien, en détectant les accords que vous allez jouer, soit à la main gauche, soit à la main droite. Pour interpréter ces morceaux, vous avez accès à plus de 900 sonorités différentes que vous allez pouvoir changer en cours de morceau, directement, et même en gérer les volumes. La basse joue trop fort, pas de problème, je baisse. L'orchestration est trop peu élevée, je relève. C'est vraiment super ludique et super intuitif. Je vous montre ça de ce pas. J'accède directement à la fonction style. Et donc là, j'ai une bibliothèque de nombreux styles, à peu près 500. Et je choisis, par exemple, samba. Je tape directement mon tempo. 1, 2, 3, 4, 190. Le piano détecte mes accords, c'est parti. Et si vous vous sentez l'âme d'un compositeur, eh bien, le CSP propose un enregistreur 16 pistes. Donc ça, c'est super parce que vous allez vraiment pouvoir enregistrer chacune d'entre elles, y compris les kits de batterie, puisqu'il en propose un peu plus d'une quarantaine. Donc ça, c'est vraiment sympa, surtout que vous allez pouvoir jouer vos lignes de basse, rajouter des violons quand vous le souhaitez dans le morceau. Et ça, vous pouvez en enregistrer des dizaines et même les exporter sur une clé USB. Laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne. Donc, cette fois-ci, on va passer directement à l'enregistreur. Je vais commencer, évidemment, par ma piste de batterie et je ne vais pas utiliser de métronome. Je prends ce kit. C'est parti, on s'enregistre. J'arrête mon enregistrement que j'appelle test 1. Et par-dessus celui-ci, je vais pouvoir directement
enregistrer mes autres parties. Je sélectionne une basse dans les instruments et j'enregistre par-dessus en piste numéro 2. C'est parti. J'enregistre, très bien. On remplace donc le fichier existant avec maintenant deux pistes distinctes. Je vais pouvoir changer de son, jouer par-dessus ce que j'ai déjà enregistré. Avec un clavinet, cette fois-ci, on y va. Et je peux continuer à l'infini sur 16 pistes. C'est vraiment intéressant. Et sachez qu'au sein de la série CSP, malgré les variations en niveau de gamme, tous les modèles proposent les mêmes fonctions. Ce qui va les différencier, c'est donc premièrement le design, mais également la mécanique qu'ils embarquent et l'amplification qu'ils proposent. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouveau modèle de cette série, le CSP-295. Ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est que d'une part, c'est un des plus hauts de gamme de la série, puis surtout, c'est un niveau de gamme qui n'existait pas dans la série CSP auparavant. Elle n'était composée que de deux modèles, l'équivalent du CSP-255 et l'équivalent du CSP-275. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'intéresse maintenant au son de piano. Comme la plupart des modèles haut de gamme récents de Yamaha, la série CSP bénéficie des échantillons du Yamaha CFX et du Bösendorfer Imperial, et ce, en binaural. Alors le binaural, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une méthode d'échantillonnage qui résulte en de la spatialisation. Beaucoup de mots très techniques. Dans les grandes lignes, c'est une technologie qui fait que quand je vais jouer mon piano au casque, en fait, je vais avoir l'impression de ne pas avoir de casque, d'avoir le son qui vient vraiment de mon instrument et pas directement dans mes oreilles. Et les échantillons de la CSP-200, eh bien, par rapport à l'ancienne série, ils ont été refaits. Avec plus de précision, un peu plus de corps et puis surtout, ils sont plus chaleureux. Et en fait, pour rajouter plus de réalisme, l'échantillonnage de cette série CSP-200, il a été couplé à une partie de modélisation. La modélisation, finalement, c'est une technologie qui, par le biais d'algorithmes, arrive à rajouter du réalisme à mon son, à recréer l'interaction qu'on peut avoir dans les différentes parties de mon instrument, à savoir la table d'harmonie, la résonance des cordes par sympathie, ou encore le frottement des étouffoirs quand je vais appuyer sur ma pédale de sustain. Ce que je vous propose, c'est que l'on écoute brièvement ces sons de piano. Tout l'intérêt des CSP, c'est évidemment la multitude de sonorités qui est disponible. Je vous ai dit qu'on en avait à peu près 900 au sein de ces pianos. Je ne vais pas tous vous les jouer, rassurez-vous. En revanche, je vous propose de vous faire écouter ce que moi j'apprécie particulièrement. Par exemple, je vais vous faire écouter le son de guitare classique acoustique. C'est vraiment bien travaillé. Thank you.
On va désormais s'intéresser à la mécanique de ce piano. Le CSP295, il embarque une mécanique grand touch. Et comme son nom l'indique, il possède des touches qui sont longues et dont le point de pivot est au même endroit que sur un piano à queue. Et ça, ça a toute son importance quand je vais jouer, par exemple, avec un niveau un peu avancé, dans le haut de mes touches. Je vais avoir moins de résistance. Et ça, c'est très agréable et c'est pas le cas de tous les pianos numériques. Autre particularité de cette mécanique, c'est évidemment son revêtement en ivorite. L'ivorite, c'est une matière de synthèse qui reprend les propriétés absorbantes de l'ivoire qu'on trouvait sur les pianos du début du 20e, par exemple. Ça a tout son sens quand on joue plusieurs minutes, voire plusieurs heures, et qu'on commence un petit peu à transpirer des doigts. Et puis cette mécanique, elle a des touches qui sont en bois, pour davantage de réalisme, et c'est confortable quand on joue. Et puis surtout, comme sur un vrai piano, les touches sont graduées note à note. C'est-à-dire que je vais avoir des touches qui sont plus lourdes dans les graves, pour sur un vrai piano faire sonner des cordes qui sont plus grosses et plus légères dans les aigus. Enfin, dernière particularité, cette mécanique, elle a une simulation d'échappement, ce qui est très agréable au toucher et très réaliste. L'échappement sur un vrai piano, c'est une technologie qui me permet de rejouer une note plusieurs fois avant qu'elle soit revenue à sa position initiale. Côté amplification, le CSP295, c'est un vrai régal. Premièrement, il est complètement capable de restituer tout l'éventail de sonorités qu'on peut avoir sur un piano à queue, notamment dans les basses, et puis aussi avec de belles harmonies. Et ce qui est intéressant, c'est que cette amplification, elle vous permet aussi de profiter d'un éventail hyper large de sonorités, et même de vous en servir comme d'une enceinte, d'une chaîne hi-fi par exemple. Le CSP295, c'est le premier modèle de la série à bénéficier d'une amplification à 3 voix. C'est-à-dire que de chaque côté du piano, je vais avoir 3 sources sonores distinctes. Dans le bas de l'instrument, des enceintes de diamètre de 16 cm qui vont notamment diffuser les graves, les fréquences basses. Dans le milieu du piano, j'ai des plus petites enceintes d'un diamètre de 8 cm qui, elles, vont plutôt s'attarder sur les médiums. Et enfin, dans le haut de l'instrument, j'ai des tweeters bidirectionnels qui vont s'occuper de diffuser des fréquences hautes, les aigus. Et dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment impressionnant. Et pour vous en rendre compte, le mieux, c'est de venir l'essayer. Le constat avec cette série CSP, c'est qu'on a en face de nous des pianos qui sont clairement orientés sur la créativité et sur l'apprentissage du piano. C'est un vrai régal de les utiliser. Quel que soit votre style de prédilection, votre niveau de piano, vous allez forcément trouver un instrument dans cette gamme qui vous convient. En effet, par ses différentes fonctions très ludiques, il y en a vraiment pour tous les goûts. J'ai pris un réel plaisir à jouer sur ce piano pendant cette démonstration et à préparer cette vidéo. J'espère que c'est votre cas, et si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à réagir en commentaire. Merci beaucoup et à très bientôt sur la chaîne YouTube de Nebouéam. Au revoir.